Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ce Let's Play Devil May Cry Definitive Edition Let's Play numéro 5. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va. On est parti pour un nouveau numéro, hein, normalement, c'est normal, hein, bah oui, parce que si si on est déjà sur le menu, c'est qu'on est parti pour un nouveau numéro, c'est con, c'est sûr. Alors, Devil May Cry, voilà, on va mettre ça, tac tac, on va choisir la sauvegarde. Voilà, synchronisation des données. On est déjà plus rendu à plus de 2 heures de jeu. C'est juste énorme. On va continuer, mais avant, on va aller dans le magasin pour faire un petit peu d'amélioration parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et j'en ai deux. Alors, on va prendre Rebellion, l'épée de Dante représente l'équilibre parfaite entre puissance et vitesse d'exécution, ce qui fait une arme polyvalente. Attends, est-ce que je l'ai fait j'en ai fait pas mal quand même, hein. J'en ai fait pas mal. Habité. Ouais, elle a pas fait beaucoup. Ouais, et là. C'est vrai que ça, je m'en sers. Pas mal, parce que pour les mecs, c'est toujours destruction. On va mettre un là, vous savez quoi. Et un ici. Voilà, comme ça, au moins, je sais que je pourrais. On continue. Voilà. Hop, on va continuer. Objet, qu'est-ce que j'ai dans objet? J'ai pas grand chose. On peut peut-être acheter des objets. Ce serait toujours pratique. Permis de ressusciter. Ouais, bon, bah, on va en acheter 400. Allez, on va en acheter. Voilà. Quand on est dans restaurer toute la vie de Dante. Voilà. Et puis on va prendre une petite étoile et puis on va reprendre tout comme ça. Voilà. Et puis c'est parti. Voilà. Voilà. C'est parfait. Et on va faire commencer la mission. Ouais, j'ai un petit peu enrhumé. Qui s'appelle Chasseur de démons. Voilà, c'est vraiment un truc spécifique, normal. Alors je pose le truc là. Voilà. Hop. Un V6, au moment où je vous parle d'enregistrer plusieurs épisodes, comme ça moi à côté je serai tranquille parce que c'est un jeu, il faut continuer le jeu, parce que si tu continues pas, si tu t'arrêtes en plein retrait, ça le fait pas, puis tu perds les contrôles, voilà. Ça c'est la connerie que j'ai fait la dernière fois et je regrette beaucoup, voilà, parce que la dernière fois j'ai joué vraiment comme une merde. On va essayer de me rattraper ce soir. Bah ce soir, aujourd'hui quoi, mercredi. Je suis venue ici quand j'étais petite. J'avais pu tout explorer sans me faire remarquer. J'ai senti un démon sous l'usine. Très ancien. La succube. On pense que c'est elle, la source de l'ingrédient psychotrope qu'ils utilisent pour nous contrôler. Bienvenue dans l'usine de Virility. C'est l'ingrédient secret de Virility qui en fait la boisson préférée du monde entier. De plus, les tests scientifiques ont prouvé qu'une consommation quotidienne améliore de 21% la perte de poids et de 63% les performances. T'entends ça? Comment les gens peuvent gober ces conneries? Si on te répète quelque chose assez longtemps, tu finis par le croire. On me disait que j'étais folle de voir des démons. Ouais. Moi aussi, ils m'ont fait passer pour un cinglé. Ils voulaient me mettre sous traitement, soi-disant pour me guérir. Tu parles. C'était pour que je reste faible et docile. Comment tu t'en es sorti? Vergil m'a tiré de mes cauchemars. Et toi? Quand les gens en qui on est censé avoir confiance se révèlent être d'atroces démons, les masques tombent et le mal apparaît partout. Je n'ai pas plié. J'ai riposté, tué. Quelles que soient les conséquences, j'ai choisi ma route et tracé tout droit. Après tant de colère, de violence et de mort, il faut scruter son âme, sonder son cœur, pour savoir si on est lucide, pour savoir si on est encore humain. Je savais au fond de moi que j'étais pas cinglé. «
messieurs, voici l'endroit où sont mélangés les ingrédients magiques qui donneront le goût inimitable de Virility. La succube est dissimulée au cœur de l'usine, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de l'atteindre depuis notre monde. Il faudra passer par les limbes. Il y a une faille à l'intérieur. Croyez bien que tout a été contrôlé et approuvé par les scientifiques les plus compétents et les plus intègres. Virility est un vrai trésor national. Alors, on va suivre la pétasse. Moi je l'aime bien, j'appelle les filles comme ça, je les appelle des pétasses. Mais elle a un beau cul quand même, elle roule bien du cul, hein. Salope. Par ici, je crois. T'as dit que t'es déjà venu ici? Ouais, mais c'était pendant un voyage astral, il y a des années de ça. Tu volais sous forme d'esprit? Ouais, dans les limbes. D'après Vergil, c'est un formidable outil d'espionnage, mais je peux pas le faire à volonté. Alors, comment tu t'y étais pris? C'était déclenché par des psychotraumatismes extrêmes. Les cauchemars. C'est quoi ça? C'est cauchemar. C'est du passé maintenant. Ouais. C'est bien. On s'en fout. Non, je déconne. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Non, mais ça va être cool, hein. Faut vraiment que je me remette à fond dans ce jeu. Parce que c'est vrai, j'enregistre moins ce temps-ci de vidéos. Côté let's play. Parce que je termine mes vidéos de collection avant la fin de l'année. J'en ai encore beaucoup à faire. C'est des petites collections, mais quand même, c'est chiant à faire, quoi. C'est ici qu'ils stockent la marchandise avant de l'exporter. C'est bizarre. Quoi? Je pensais que ce serait plus grand. Ça m'étonne. Enfin, j'étais dans les limbes, c'est peut-être différent. Et puis, j'étais une gamine. Qu'est-ce que tu faisais? Je fuyais mes cauchemars. T'es venu dans les limbes pour fuir tes cauchemars? Ouais. Elle est quand même bizarre comme fille. Hein. Elle vient dans les limbes pour fuir ses cauchemars. Faut m'expliquer le délire. Bon là on s'emmerde quand même. Tu n'auras qu'à revenir sur tes pas pour arriver à la salle des mélanges. Ça devrait pas être trop dur. Peut-être. Mais les démons pourraient sentir ta présence dans les limbes. Alors sois prudent. Et une fois dans la salle des mélanges? De là tu pourras descendre au niveau inférieur de l'usine. Et me faire une succube. Ouais mais là il faudrait bien qu'il y ait un petit peu plus d'action parce que là on s'emmerde quand même. Je sais pas si vous... qu'est-ce que vous en pensez mais on s'emmerde grave. Ah si je m'arrête elle s'arrête. Attends. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3... Ok, c'est là. Parfait, on se retrouve de l'autre côté. Ah. Là, ça commence à devenir intéressant. Là, ça commence à devenir intéressant, voilà. Ça, c'est le style de jeu que j'aime. Voyez. Je suis en bas. Ah, viens. T'as raison. Dans les limbes, c'est beaucoup plus grand. Et maintenant? Repars à la salle des mélanges. Je t'y rejoindrai. Obésité. Stupidité. Buvez Virility. Alors, il faut, j'imagine, il faut... sauter. Voilà. C'est bien, c'est pas de con quand même. Alors là, il y a plusieurs trucs. Alors attends. Voilà. Ouais, j'ai pas perdu la main là. C'est bizarre. Hein. Alors, putain le con. C'est pas grave. Eh, vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, attends. Il faut réfléchir un petit peu. Voilà. Mais merde!
Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Putain. Voilà. Ah. Ah, fils de pute, je vais calmer ta gueule, ouais. Je vais te fiter ta mère, moi. Allez. Voilà. Attends, j'ai micro qui... Voilà. Hop, on va faire ça parce que... Putain, merde. Allez, mais... Dites-le, mais... Voilà. Alors, il y a deux trucs. Voilà. Voilà. Et il y en a un là. Là, il y a un autre truc là-bas. Il y a par où c'est? Il y a deux passages. Attends. En fait, là, tu vois, je le sens pas trop, tu vois. Alors, largement, je préfère le passer par là, tu vois encore. Ouais, je préfère passer par là parce que. Ouais, là c'est mieux. Ah merde, ah d'accord. Oh merde, je suis allé trop vite. Mais c'est bien ça quand même. Ah oui. Putain, merde, je loupe. Bon. Putain, j'ai joué comme un con là. Voilà. Putain. Méchant. Ah oui, il y a méchant. Oui, il y a méchant. Oui, un gros méchant. Il est pas gentil lui. Oula, il a pas la méchant. Oula, oula, il a la méchant. Chevalier infernal. Hey, vous pourriez la salle des mélanges. Oui, bonjour. Fils de pute, culé, nique, ta merde. Ah, vous êtes plusieurs en plus. T'es comme ça, toi. Voilà. Eh oui. C'est plutôt cool comme jeu. Toi, t'étais pas prévu pour un, toi. Ah oui, c'est vrai, lui, il faut l'attaquer par derrière, lui. Ta race.
Là, j'ai une clé là. Ah merde, merde. Oh, non, 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 non. Tu vas pas me tuer. Oh, viens ici, toi. Cours. On va te niquer. Oula. Oui. Voilà, voilà, j'ai utilisé mes deux trucs pour rien. Hop. Oh là là, oh là là, oh ça fait bobo ça. Oh t'as eu mal au cul ma poule hein. Putain mais il crève pas lui hein. De Dieu. Ah pas trop tôt. Ouf. Là j'imagine faut y aller quand même. Attends. Oui faut y aller. Ça. On récupère la petite clé dehors parce que si on la récupère pas ben c'est pas bien hein, parce qu'il faut toujours récupérer les clés dehors toujours hein. Bah oui, on va essayer de se concentrer quand même parce que j'ai un petit peu joué comme une merde. Alors là j'ai un truc pour améliorer. Est-ce qu'on va améliorer maintenant? Ouais. Et ah voilà. Amélioration, tête, capacité, tête, parce que esquive, attraction, coup de pied, voilà. On va mettre au coup de pied, c'est parfait. Et voilà. Alors attends. Maintenant, il faut aller par où? On va suivre le chemin. Parce que vous avez dit, de toute façon, il faut aller dans le sens inverse de ce qu'on va. Oh là là. Oh là là, qu'il faut faire, je sais plus. Voilà, il faut tirer dessus. Ça, il fallait tirer dessus et comme un con, j'ai pas tiré dessus. Voilà, bon. Bref. De toute façon. Voilà, voilà. Il y a une étoile. Et je veux l'étoile, moi. Ça m'intéresse. Ah le con ! Mais non ! Putain, viens là toi. Oh merde ! Putain mais... Oui, continue, bah oui. Ah voilà, bah oui. On va les attirer par là. Voilà. Ah, on fait du foot. Allez, mais putain, mais nique-le, ouais. Ah, puis le micro m'énerve. C'est un micro de merde que j'ai. Franchement, c'est un micro de merde parce que j'entends ma respiration. Oh, il m'énerve. Comme ça, voilà, ça c'est bon. Maintenant, attends, faut aller par où? On peut pas aller là, non? Est-ce qu'il faut aller par là? J'ai un doute.
Mais putain, mais fils de pute, putain. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce jeu? Il m'énerve. Essaye de jouer bien, Thibaut. Je te remercie. Voilà. On n'est pas retourné dans le monde bizarre. Alors attends, faut aller là ou pas? Bah non. Ouais, c'est là. Alors, c'est par là. Perçu. Putain, merde, mais... Putain, mais nique la gueule. C'est bon cela. Bon, alors, continue. Ça devient long, hein, quand même. Ça va récupérer, c'est toujours pratique d'avoir des orbes en plus. Allez, nique ta mère, moi, tu t'enculer ta race, moi, tu vois. Fils de pute! Ah, je me fais pas chier avec eux, mais... Ah oh, bah il y a un gros tiens. Il y a Roger qui est là. Roger viens ici. Tu rallies. Beaucoup d'ennemis ont des attaques qui... Ah, on s'en fout. Bon. Moi je suis à la même manière moi. Fils de pute! Enculé! Allez, voilà! Comment je t'ai niqué? Fuck you, Dante! Va te faire enculer, Dante! Il est très... Ah merde, il m'a eu! Ah, oh, c'est ballot, oui! Oh. Alors on continue. Il y a quoi là par là? On va aller voir ce qu'il y a par là. Parce que de l'autre côté j'ai vu quelque chose. Attends. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Oh, j'aime pas ça. J'ai dit de venir ici. Merde. Oh.
possible ça. Tiens, y a un truc. Et je sais pas du tout par où c'est. Hein. Je prends vraiment des routes au hasard. Et là, non. À mon avis, c'est là parce que s'il y a ça, c'est peut-être pas là. Ah oui, il y a ça. Déjà ça, faut niquer. Voilà. Merde. Voilà. Ça, faut le niquer. Ça aussi. Je vais niquer, c'est cool. Allez, hop, on change. Bon. On va bien trouver. Une impasse. D'accord, ici une impasse. Ça, j'avais vu, ma poule. T'inquiète pas. Mais ça, on peut pas le niquer, ça. Non. Ah putain, ça le nique. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a pas terre, ça le nique. Ok, faut. Ok. Niquer ça. Oui, ta mère, ouais. Oui, mais je t'ai dit. Voilà. Voilà, et on continue l'aventure tranquillement. Alors ça c'est une porte empaillée parce que la première fois que j'ai fait une porte elle m'a gonflé. Ça je vais même pas le faire pour le moment. Je le ferai le jour où j'ai envie de refaire le jeu. Voilà. Alors ça va être par là. Meurs. Oui, je vais mourir. Hein. Ouf. Le mec il a un coup de tronc. Un coup de tronçeuse à la gueule, il est encore vivant. Alors, c'est par là, non? Il y a rien pété, non? J'ai pas de la vie ou un truc comme ça. Objet. On va reprendre ça. Un petit peu de vie, ça fera du bien. Ça va pas faire de mal, un petit peu de vie. On continue. Alors. Ah, ça c'est quoi ça? Utiliser. Amélioration, oui. Alors, hop, on va aller là. Crochet, voilà, hop, on peut très bien. Allez, hop, c'est parti. Voilà. C'est parfait, ma poule. C'est parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le délire? Le processus de mélange. Et c'est la source qui nous intéresse. J'imagine que notre succube est à l'autre bout. Tout à fait. Par ici. Désolé. Laisse-moi une minute. Youpi! Il est mec! Est-ce que je t'ai demandé de me faire chier? Est-ce que toi je t'ai demandé de me couper la gueule? Hein? Non, hein, c'était... Voilà, c'était femme... Toi je t'ai dit femme ta gueule déjà, ok. Et attention, ça va lâcher. Putain, il y en a d'autres.
pute. Putain, c'est vraiment des sauvages, hein. Il y a un gros barracuda, il y en a deux. Allez, bah ça va être les deux, je pense, parce que de toute façon, on va les défoncer les deux. Alors, pour le prendre, bah faut le prendre par derrière. Voilà, faut attendre. Il faut. Enfin, on va se faire un par un parce que. Un petit peu. Oh là. Il est où? J'ai éliminé. Ouais, je te menais, connard. Tu gagnes. Ah bah oui, hein. Heureusement que je gagne, parce que disons, sinon je serais pas dans la merde, quoi. Ça va? Ça avait l'air méchant. Ça? Non, c'était juste un gros tas. Allez, viens, on va se la faire cette succube. Ah bon? Déjà? Oh, je pensais voir autre chose à côté, moi. Oh merde, oh. Bon, de toute façon, je vais perdre des points parce que comme j'ai pris, j'ai perdu deux fois. Et je suis mort une fois. Ouais. Ouais, j'ai utilisé trois trucs. Oui, j'ai... Trois fois, je suis mort. Ah ouais, je suis mort comme... Mais de toute façon, je suis mort comme un con, là. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est qu'on a réussi la mission, c'est que l'esprit se passe bien et qu'on rigole bien. Voilà, on va moi de mon côté, je vais continuer à enregistrer les épisodes. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour le nouveau, pour un nouvel épisode. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube, merci d'être nombreux à regarder ce let's play. Et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.